c'est ça. Qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui? Vous avez pris rendez-vous? Non. Très bien, c'est pourquoi? Ah! Un examen capillaire, c'est ça? Oui, ben, je vais regarder si on a de la place. D'accord? Je regarde ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que... Bah, vous avez de la chance, il nous reste de la place. Bah, c'est parfait. Bah, si vous voulez, je vous laisse vous installer dans la file d'attente et ma collègue va venir vous chercher, ça va? Très bien, parfait. Bah, si vous voulez, je vous laisse vous installer là-bas. Je finis juste trois trucs et j'arrive et je m'occupe de vous. Ça vous va? Parfait. Parfait, à tout de suite. Alors, bonjour. Comment allez-vous? C'est assez courant. Ben, ce que je vous propose, c'est, je vais analyser votre cuir chevelu, c'est-à-dire je vais prendre un peu de vos cheveux, je vais examiner après au laboratoire. En attendant, je vais vous faire un petit soin, en attendant les résultats. Et quand j'aurai les résultats, je vous mettrai le traitement qui est approprié à votre type de cheveux. Ça vous va? Oui. Ben écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Si vous êtes revenu, c'est parce que je suppose que vous avez plutôt bien aimé la première fois, c'est ça? Ouais. Je suis ravie. Je suis ravie, je suis ravie. Ah, vous comptez revenir? Ah, vous voulez prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre soin du visage, c'est ça? Ben, si vous voulez, on voit ça à la fin. Là, je m'occupe de votre cuir chevelu. Vous essayez de vous détendre un maximum. Et on verra pour le prochain rendez-vous à la fin de la séance, ça vous va? Très bien, ça marche, relaxez, vous relaxez, vous relaxez. Donc je vous laisse vous installer juste ici. Voilà, parfait, parfait, parfait. Vous pouvez poser votre manteau sur le porte-manteau à côté. Je vous en prie. Alors, que je regarde tout ça. Ouais, vous avez les cheveux un petit peu secs quand même. Je vais du coup prendre quelques cheveux. Je les poserai ensuite du coup au laboratoire pour les examiner. Ça vous va? Parfait. Parfait, parfait. Du coup, bah, commençons. Sur le côté ou derrière, c'est pas forcément le même la même chose. Du coup, je vous ai sélectionné, enfin j'ai sélectionné plusieurs cheveux que je vais tout de suite emmener au laboratoire pour les examiner, pour les examiner, pour les examiner. Hop. Laurie, Laurie, tu peux ramener ça? Ouais, tiens. Merci. Ouais, ok. Ok, ça marche. Maintenant que vous avez entendu, dans 2 petites minutes, elle sera prête. C'est très 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 rapide à faire. Voilà. Du coup, si vous voulez un peu prendre le rendez-vous.
vous faire un petit massage crânien. Les deux. Très bien. Alors, votre rendez-vous pour la semaine prochaine, vous en avez dit. Pour un soin du visage, comme la dernière fois, c'est ça? Ok. Ok, très bien. Alors, il nous reste des places pour... dimanche prochain. Il me semble qu'on sera le 22 à peu près. Ça vous va? Ok, d'accord, très bien. Très bien, on se retrouvera à ce moment-là alors. C'est parfait. Je noterai la secrétaire. Je dirai à la secrétaire, pardon, de le noter. Donc maintenant, je vais m'occuper de vous. Je vais vous faire un petit massage en attendant que. C'est bien ça, vous avez pu doiser. C'était comme ce qu'on m'avait dit. C'est des problèmes des chutes de cheveux. Et les cheveux plutôt secs. Secs au niveau des pointes. Pas très très gras au niveau des racines. Ok. Bah, ce que je vous propose c'est... Attendez, je vais regarder tout ça. C'est ce spray. Alors, je vais vous en mettre un petit peu. Tout simplement un petit spray à la kératine qui est riche en caféine et en vitamine B. Ça va redonner de la force à vos cheveux et ça va vous éviter de faire des pertes de cheveux. Ça va aussi également aider à la repousse en même temps. Du coup, je vais vous en vaporiser un petit peu. Je vais l'appliquer ensuite avec un pinceau pour bien faire pénétrer, surtout sur les racines, puisque c'est généralement là que tout devient la perte de cheveux. Pardon. Et ensuite, je vais vous les brosser pour bien que ça aille sur tout le cuir chevelu. Alors ça, oui, c'est en vente au magasin. Ben, si vous voulez, quand vous payerez à la fin, vous pourrez en acheter évidemment. En plus, il me semble que vous avez fait la carte de fidélité la dernière fois. Ouais. Il doit y avoir des prix. Je ne sais plus exactement. Mais vous devez avoir un pourcentage de réduction. Très bien, du coup, je vais vous vaporiser un petit peu sur vos cheveux. Ici. Et un petit peu derrière, même si généralement on ne perd pas trop nos cheveux derrière. C'est plus... devant ou alors au niveau ici du crâne. Voilà. Donc c'est parti. Hop. Je pense que ça suffit. Oui, ça sent bon. Hein. Ouais. Oui, je sais. Alors maintenant, je vais vous appliquer avec un petit pinceau. Oui, c'est un pinceau qui est normalement fait pour la peinture, mais il sert aussi pour nous. Ne vous inquiétez pas, aucune peinture n'a été peinte avec ce pinceau. Du coup,
Sur vous. Je peux vous retrouver dans la base si vous voulez. Oui, je cherche. Madame, ok. Votre code postal. Hop, je vous ai retrouvé, c'est bon. Hop, j'applique. Ok, vous aurez pas de réduction sur celui-ci, mais si vous revenez, comme vous revenez la semaine prochaine en plus, c'est parfait, vous aurez cette fois une réduction. Je vous souhaite